Nous sommes en 1900. La parapsychologie, ma spécialité, est une science toute neuve. C'est à la demande des propriétaires d'une maison créole, hantée par un esprit chagrin, que je débarquais dans cette baie tropicale, déployée au pied d'un volcan turbulent. La présence implacable de la forêt, à peine grignotée par une ville à l'étroit entre ciel et mer, donnait à l'atmosphère un caractère menaçant que je n'avais jamais rencontré auparavant. Je m'appliquais à mettre les habitants en confiance afin d'obtenir la confession de leurs inquiétudes et de leurs préoccupations. Je m'aperçus que toutes les strates de la population, qu'elles soient de conditions modestes ou aisées, avaient un lien avec cette dramatique affaire. Il me fallait entrer dans l'intimité de plusieurs familles pour comprendre que bon nombre de destins se croisaient. Je dus affronter les ombres du passé aux frontières de l'impossible, afin de délivrer les âmes errantes d'un terrible secret. Je vous invite à revivre avec moi cette palpitante expérience dont personne ne peut sortir indemne.